notre campagne de réemploi nous a mené à la création d'une carte des reconditionneurs. Oui, le projet de reconditionnement passe par des reconditionneurs, des volontaires capables de réinstaller une machine en vue de la donner ou la vendre à petit prix afin de participer à la campagne de réemploi Mabuntu des biens faciles. Donc, si tu es prête pour recevoir des ordinateurs en don, les reconditionner avec un système libre Mabuntu des FISO, des Bian ou tout autre système libre avec la clé de réemploi ou depuis un live classique, les redistribuer sous forme de dons, de vente à prix libre ou vente à petit prix, alors tu es bienvenu. Pour faciliter les échanges, nous avons mis en place une carte des ramoneurs, des reconditionneurs sur UMAP, OpenStreetMap, ainsi qu'une page de présentation sur mabuntu.org. Si vous êtes volontaire et souhaitez apparaître sur la carte, nul besoin de vous inscrire quelque part. Un simple mail suffit. Contactez-moi sur arpinux@debian-facile.org avec juste quelques petites infos. Le nom, prénom, le pseudo, c'est au choix. Entreprise, en option. La localisation, la ville uniquement suffit. Un mail de contact, reconditionneur particulier ou professionnel, tarif gratuit, prix libre, devis. Remarque, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser ici même. Voici la page de présentation sur mabuntu.org et voici comment se présente cette carte des reconditionneurs. Tous les points rouges représentent un reconditionneur, qu'il soit particulier ou professionnel, qu'il reconditionne grâce à la clé de réemploi ou grâce à un système Life classique, qu'il reconditionne sous Zemabuntu, sous Debian, sous Linux Mint, sous Fedora, peu importe. C'est ça l'esprit d'ouverture, l'esprit libre. Alors, jusqu'il y a peu, je me sentais bien seul en Belgique. Ça, c'est moi. Mais je vois que depuis peu, j'ai un compatriote juste au-dessus de moi. Alors, on va zoomer un peu. Voilà, je vois sur Bruxelles. Un clic. Voilà. On voit que c'est un reconditionneur particulier, tarif, gratuit. Ici, c'est moi. SIL, Service Informatique Libre. Reconditionneur professionnel, tarif, 6 machines de Mabuntu, c'est gratuit avec système Mabuntu, bien entendu. Sinon, c'est payant, selon disponibilité, à partir de 75€, avec comme système au choix, Mabuntu, Debian Facile ou Linux Mint. Un autre reconditionneur. Alors, reconditionneur particulier, tarif, gratuit. Suivant. Reconditionneur particulier et professionnel. Tarif, ça dépend d'où vient l'ordinateur au départ. Généralement, entre 20 et 60€. Sur Paris, nous avons deux reconditionneurs. Ah, ben tiens, collectif Mabuntu. Reconditionneur particulier avec Mabuntu. Tiens donc, bizarre. Ou DF ISO. Tarif gratuit, mais sur vos ordinateurs. Remarque, formation des associations pour l'utilisation de GNU Linux et les particuliers qui veulent s'engager dans notre démarche. Pas de reconditionnement d'ordinateur pour les particuliers pour leurs propres besoins. Toujours sur Paris. Alors, toujours sur Paris, reconditionneur professionnel, tarif 3€. Remarque, plateforme de services de l'économie sociale et solidaire, ateliers hebdomadaires et nombreux événements autour du réemploi, du partage de compétences et de l'entrepreneuriat. Espace numérique, équipé Ubuntu et Mabuntu, atelier de reconditionnement ordinateur. Voilà, vous avez un petit aperçu de cette carte. Je ne vais pas tous les faire, mais voilà, il y a un peu de tout. Ici, nous avons un reconditionneur particulier, tarif gratuit. Remarque, utilisateur pro et perso. Donc, de solutions libres depuis près de 15 ans. J'adhère et souhaite participer complètement à ce projet qui possède plusieurs objectifs. Arrêter de jeter
des machines qui fonctionnent parfaitement, permettre à des populations précaires de s'équiper, de se former, de créer, montrer, prouver qu'il existe de véritables outils alternatifs à un tout GAFAM, faire prendre conscience des problématiques que posent les GAFAM et liées aux libertés individuelles. Voilà. Voilà à quoi ressemble cette carte. Et ça va très vite. Les petits points rouges commencent à arriver. Donc je vous encourage, si vous souhaitez apparaître sur cette carte des reconditionneurs, eh bien regardez la description de la vidéo. De toute façon, voilà, tout est mentionné. Un petit mail, vous avez vu, c'est rapide. Un petit mail à Arpinux. Il y a quelques données à donner. Nom, prénom, pseudo, reconditionneur particulier ou professionnel, les tarifs si on a, si c'est gratuit, et vous apparaîtrez sur cette carte. Voilà, j'ai fait de la pub pour la carte des petits reconditionneurs. Allez, je vous dis bye bye.